Yo les gars, c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de ma carrière. Désolé, j'ai un petit peu la voix cassée, j'étais malade, mais c'est pas un souci, je vais assurer la vidéo. Et on se retrouve du coup à Villarreal, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, c'était pas le club de nos rêves, c'est pas le FC Barcelone, ni le Bayern, mais c'est pas grave, on va dire que c'est un club qui joue une compétition européenne. Donc c'est l'Europa League, je le rappelle, pour ceux qui s'en souviennent plus. En tout cas, on va passer l'heure. J'espère que vous, ça va les gars. N'hésitez pas déjà à liker cette vidéo et à partager. C'est la dernière saison du coup avec une nouvelle couleur de cheveux. Ok, on va mettre les points de compétence. Hop. De toute façon les gars, on va essayer de tout gagner cette saison. Parce que vraiment, on n'a pas eu un seul trophée, c'est déconcertant. Donc, on va voir ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Je crois que je voulais mettre les étoiles de mauvais pied dans mes souvenirs. Donc, on va les mettre. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est fait. Il me reste un petit point. Je pense qu'on va mettre, ouais, les volets. Voilà, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Peut-être accueil équipe, voir avec qui je vais jouer. On va partir du début. Hop. Alors, qu'est-ce que je connais? Pedraça. Morica, je le connais. Agüerd. Je connais pas. Raúl Albiol. Putain, il joue encore au foot, lui. 39 ans. Walker Peters. Ok. Vanderson. On a Kendra Leimer. Ça, c'est pas dégueu. Berenguer. Djibril Sow, ok. Mason Mount, jure, il est là. Incroyable. Et bien, il a rejoint le club avec nous. De Chelsea, on est partis tous les deux. Est-ce qu'on va réussir à tirer cette équipe vers le A2? Ce serait cool. Mason Mount. Du coup, Duarte. Alan Saint-Maximin. Oh, ça c'est cool. Saint-Maximin. C'est cool. Ça va nous faire un bon duo d'attaquants. Jonathan David, mais malheureusement, je pense que je prendrai sa place, à moins qu'il mette côté droit. Mais dommage, parce que j'aurais bien aimé être associé à lui, après avoir si on joue à deux attaquants. Et c'est tout, sinon, Eli, Wai, ok. Bon, on va dire qu'il y a 3-4 joueurs qui se démarquent, qui sortent du lot. On va voir ce que ça va donner. On va, dans un premier temps, continuer. On n'a rien à faire. Bon, on va pas s'entraîner. On va commencer remplaçant tranquillement. On a 9 points. Et si je me souviens bien, on n'était pas si bien classé quand j'avais vu le classement avant de rejoindre le club. Ils sont. Alors. Où on est? Villarreal, Villarreal. Est-ce que je suis aveugle? Ok, quatrième. Ah non, en fait, ça va. Il n'y a que 3 matchs. On est troisième avec 9 points. 3 matchs, 3 victoires. Pourquoi je disais qu'on était mal classé? Ok, bizarre. Peut-être que ça avait juste pas commencé. Du coup, c'était classé par ordre alphabétique. Ça devait être ça. En tout cas, quatrième, 3 matchs, 3 victoires. J'ai intérêt à assurer et à montrer que je mérite ma place dans cette équipe. On va voir les infos et on va débuter ce premier match. Ponce élu joueur du mois. Ok. L'équipe boucle le transfert de Jeffreys. Bon, ben c'est tout. Rien de fou. Rien d'alarmant. On va y aller pour ce premier match indirectement. Hein, on rentre seulement 7 minutes. Donc, va falloir montrer au coach qu'on mérite d'être ici. On rentre à la place de Wai, ok. Donc, Jonathan David y joue bien. Paré pour Saint-Maximin. Pedraça, Mount. Ok, ben les meilleurs sont sur le terrain. Donc ça fait plaisir. Ah merde, putain, j'ai pas vu leur compo. Bah, je crois pas qu'il ait montré. Je sais pas si on a deux buteurs, mais en tout cas, il faut que j'assure en 7 minutes. On revient dans l'axe. Superbe Saint-Maximin. Bien joué. Encore pour moi. La frappe. Dommage. Pas mal. Cette combinaison, j'y suis. L'enroulé, la première frappe. Pour ma part. C'est pas fini. Allez, on s'avance. Ah putain, dommage. Allez, peut-être
Une dernière. Ok, non. Bon, ben les gars, mis à part une petite frappe cadrée, ma première, ben rien de fou en 7 minutes. Ça risque d'être compliqué en même temps. En tout cas, on a gagné, c'est le principal. On va dire, j'ai fait des débuts. Pas très prolifique, mais attention, en 7 minutes, comme je l'ai dit, je peux pas faire grand-chose. En tout cas, la victoire est là, c'est le plus important. On va s'entraîner pour pouvoir jouer plus. Ça aussi, c'est important. Hop, on va se mettre parcours de dribble. Qu'est-ce qu'on va se mettre d'autre? Dans les tirs, battre le gardien. Et enfin, dans les passes. Et on va mettre passe en profondeur lobé. Voilà, ce sera nos entraînements. Ok. Donc, j'imagine qu'on est toujours parmi les premiers au classement. Ok, là, on joue l'Europa League déjà. Ah ouais, putain. Incroyable, les gars, on a un match d'Europa League face au Sporting Club Braga. Donc, c'est les meilleurs de notre poule. Il va falloir assurer directement. Pareil, je vais commencer remplaçant. On verra combien ils font avant que je rentre. Juste, on va voir en Liga, du coup, ce que ça a changé. On est second avec 12 points, égalité avec le Barça. Donc, ça, c'est très bien. Très bon début en Liga. Faut faire pareil en Europa League. On va continuer. 2 jours plus tard, on est déjà à l'heure du match. On est parti face à Braga. On va voir combien de temps on joue. 9 minutes. Ok. Ça va être compliqué. Ce serait bien de marquer. Je rentre milieu droit. Oula, ça c'est pas fou. On va s'adapter de toute façon, les gars. Je dois faire mes preuves. Je rentre milieu droit. Il y a Leimer, il y a So, il y a Berenguer, Wai et Jonathan David. Il n'y a juste pas Saint-Maximin en gros joueur. Mais le reste est là, donc on est parti. Faut marquer. Attention, la tête, c'est bon. Allez. Je tente le centre. Je pense qu'il y a la place, la tête. Allez. Peut-être la dernière occasion de ce match. Allez. Va la finir. Oui! Magnifique, les gars. Super bien joué. Quel coup de physique. Je crois que c'est Jonathan David qui s'est bien battu et qui la décale au numéro 10, qui est ok, Brobry. Ouais, c'est ça. Putain, bien joué. Bon, j'ai pas servi à grand chose. J'ai fait une mini passe dans l'action, mais en tout cas, on marque et on est très bien. Brobry, bien joué. Ok, fin du match, les gars. Première victoire en Europe également. Ça fait plaisir. Pareil, hein, j'ai pas servi à grand chose en 9 minutes. En tout cas, on s'en sort bien parce qu'on gagne. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait les autres de notre groupe. Je crois que c'est Apollon Nicosie. Donc, du coup, logiquement, ils ont perdu 2-1. Si c'est eux, on va voir vite fait. Hop, classement. Europa League. Ouais, c'était ça. Ok, on est égalité avec Sturm Graz qui sont quand même devant Ogolaveras. On est toujours remplaçant, donc on va continuer l'entraînement. Là, on peut pas, malheureusement. Donc, je pense que, ouais, je vais devoir jouer Rétafé en tant que remplaçant également. C'est pas grave. Allez, on est parti, les gars, face à Rétafé. Rétafé, ils sont 9e. J'ai vérifié. On rentre seulement pour 6 minutes. Et tant que je marquerai pas, je pense que j'aurai ni une place de titulaire et ni une place à mon poste. Je serai toujours milieu droit. Comme vous avez vu, les gars, je suis numéro 13. Ça, j'ai pas changé. Mais je sais pas, je trouve que ça fait stylé avec tous les cauchemars et les mauvais résultats qu'on a eu dans cette carrière. Ben, ça me va bien. Le numéro porte malheur ou porte chance, hein, ça dépend où vous habitez. Je crois qu'en Italie, ça porte chance. Mais bref, on rentre à la place de Duarte, milieu droit. Là, par contre, faut y aller et commencer à bien jouer et à se créer des occasions parce qu'on n'en a pas beaucoup eu. Allez, c'est l'occasion. Il a l'air énervé, kicker cette chaîne. Ben, c'est parti. Attention à l'attaque de Rétafé, la frappe, la barre transversale. C'est pas terminé. Ok, la récupération très haute. C'est bien fait. Bien joué. En retrait. J'y suis. En une touche. Oh là là, c'est contré par le défenseur. C'est pas terminé. Je la décale. Incroyable, les gars. Magnifique. Le but. 88e minute. La passe décisive. Je vais pas vous mentir. Je vais pas m'accorder le mérite. La passe en une touche, c'était la tête de balle.
Donc là, j'ai fait l'appel à partir de Manon. Et au final, il me l'a mis au même moment. Et du coup, ça a fait une passe magnifique en direction de Wai. Incroyable. Il la prend très bien. Et encore une fois, 1 à 0. Ben, je crois que c'est notre spécialité. Moi, si on gagne, ça me va. Ça change de certaines équipes qu'on citera pas, bien sûr. Elles se reconnaîtront toutes seules. Oh non. Oh non. J'aurais pas dû parler. L'arrêt, c'est pas terminé. Il arrive pas à frapper. Oh, on encaisse. Quelle idée d'avoir parlé et d'avoir dit qu'on allait gagner. Putain, dommage. Il fait mal celui-là. Ça m'avait pas manqué les buts à la dernière seconde, ça je vais pas vous mentir. On encaisse terriblement. On va la tenter la dernière, mais je pense que c'est mort. Hein. Allez, je vais leur demander. Essayer d'aller provoquer sur le côté. Pourquoi pas? Pourquoi pas en rentrant? En rentrant encore. Oh, j'attendais quelqu'un en retrait, il n'y avait personne. Et c'est terminé. Un but partout. Si j'aurais pas ouvert ma gueule, je pense qu'on aurait gagné. Deux buts en 2 minutes de jeu, ben franchement c'est fou. Bon, on perd pas ce match. Mais ouais, la victoire était facile et dommage. Ah, le Barça qui a perdu aussi face à Séville. Heureusement pour nous. Du coup, on devrait garder l'avantage et être premier, il me semble. Ouais. Ok, on aurait pu avoir plus de points, mais bon, attention, hein, il y a Séville et le Barça derrière. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, on est premier. Ça fait plaisir. Villarreal, maudite égalisation de Berrueto. Ouais. Lukaku absent 4 semaines. Je savais même pas qu'il jouait au Barça. Et encore moins qu'il était absent. Putain, le mec, c'était mon remplaçant à Chelsea. S'est retrouvé au Barça pendant que le titulaire meilleur buteur du championnat qui a battu tous les records personnels, il se retrouve à Villarreal. Mais bon, le destin fait bien les choses. C'est nous premiers, les gars. Et lui, il s'est blessé, même si je ne lui souhaitais pas. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dire. Ce que j'ai pas dit, pardon, c'est plus français. En tout cas, on est premier, on va simuler. J'aurais toujours pas le temps pour un entraînement. Et ça fait chier parce que je vais jouer de moins en moins de minutes. Déjà qu'on n'en joue pas beaucoup. C'est compliqué là, faut jouer celui-là et après j'aurai un peu plus de temps. Combien de minutes on va jouer là? Ah non, ça va, on en joue plus, ok, bizarre. 12 minutes. Et en plus, je crois que je rentre buteur. Ou alors attaque en droit ou gauche. En tout cas, je suis devant. Ça fait plaisir. Je vais juste voir Celta Vigo. Quatrième. Ben, c'est déjà un gros match à jouer. Ils ont l'air d'avoir une équipe fructifiante. De notre côté, c'est à peu près la même chose que d'habitude. Toujours pas de sa maxima. Donc, j'imagine qu'il ne doit pas être au niveau. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est ça. Et pas une décision personnelle du coach. On y va, on joue chez eux et on va rentrer pour 12 minutes. Nouveau poste défenseur droit, mais comment ça? Je vais marquer déjà et après on verra pour mon poste. Je vais marquer, non putain. Mais comment ça défenseur droit? J'ai vu ça, j'ai pas compris. Putain, mais alors que pourquoi je suis sur le corner? Arrière droit. J'y suis, la frappe. Oh putain, ben oui, du coup c'était à moi au marquage. C'était à moi au marquage, j'ai pas l'habitude. Et presque on prend un but à cause de moi ou plutôt à cause de l'entraîneur. Jouer cette passe. Allez, je peux y aller. La feinte, je la mets en retrait. Bien joué. La passe D peut-être. Non, putain, dommage, j'ai la main à côté. Faut que je défende. Faut que je défende. On va faire un best-of des actions défensives. Oh là 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 là. Et on encaisse, putain, c'est quoi ces gants mousse qu'il a lui aussi? C'est fou. Il se l'est mise toute seule. Elle était tellement pas forte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce poste? Dernière action. C'est encore la mienne. C'est encore la mienne. Allez, c'est pas fini. Encore. Bien joué. Oh putain, ce qui sort. Ouais. Défaite 2-0. Franchement, c'est compliqué en jouant pas beaucoup. Mais alors, en plus de ça, étant arrière droit, milieu droit, à la rigueur, je veux bien. Ça me dérange pas, mais bon. Faut pas abuser là, à ce rythme-là, je me retrouve gardien et pourtant j'avais eu cette première occasion. J'ai pas été bon sur le duel et du coup, ça nous coûte cette défaite. Match nul du FC Barcelone face au Real Madrid. Le Classico. Et par contre, je pense que Séville, ils ont pas dû se rater. Ouais, c'était sûr. Ah, Cocotin, ils ont fait nul. Une défaite.
C'est bizarre qu'ils aient le même nombre de points que nous. On va voir ça. Ils sont où ces villes? Ouais, match nul face à l'Espagnol Barcelone, heureusement. Et du coup, les trois. Ah non, ben non, Vigo, ils nous ont gagné. Ben ouais, ils sont premiers. Celta Vigo premier. Séville, Barça, Villarreal à égalité à 13 points. On est déjà à 6 matchs de championnat, mais bon, vu le peu de temps qu'on joue, on va s'en refaire un ou deux. Mais avant ça, entraînement, on en a besoin. J'ai besoin de plus jouer pour pouvoir apporter et gagner une meilleure place, surtout sur le terrain. Ce serait cool. On va continuer et on rejoue déjà 2 jours après. On s'arrête pas. Hein. On va jouer Cadiz. Attention à eux. On les connaît. Un peu fourbes. Ils sont combien? 13e. D'accord. Écoutez les gars, je crois qu'on n'a rien à regarder. Hein. Nuno a ruiné les espoirs de ses adversaires. Ok. Et Info Club. Ouais, on n'a rien de fou. On va partir les gars, jouer match face à Cadiz. On gagne 1-0 et je rentre attaquant droit. Ok, je crois que c'est buteur droit, il me semble. Donc ça, c'est cool. Avec Jonathan David. Ça fait plaisir. D'ailleurs, il a raté un péno apparemment à la 3e minute. Allez, c'est parti. Jouer et contrôler Jeffreys. Faudrait que je marque, hein, vraiment. Attention, la frappe, elle est à côté. Allez, en profondeur, c'est passé. Bien joué, la passe encore. La belle action. Oh, il la met à côté. Bien joué. En profondeur. Le premier ballon pour David. Oh là là. Bien joué. Oh, ce beau ballon qui m'arrive dessus. Faut que je finisse. Ah, oh, putain, j'ai eu du mal à la mettre un peu plus sur la droite. C'est bien fait. Il peut me la remettre, super. Jonathan David, la frappe. Oh, toujours pas. Pourquoi je m'avance pas, les gars? Ça revient derrière. Bien joué. Bien joué. La frappe. Et quel arrêt. C'est pas fini. Oui, c'est dedans. Malheureusement, c'est pas moi, mais en tout cas, c'est nous. Donc, c'est le principal. Ça part de moi, en tout cas, ça, c'est sûr. Putain, il est bien content, le frère Saint-Maximin. Bien joué. J'espère que tu gagneras. Une place de titulaire avec moi. Ça serait cool. En tout cas, ça fait plaisir qu'on marque quand même. Mais ouais. Bel arrêt hein, du gardien. Franchement, ce qui sort. Après, elle est dure. Je suis vraiment quasiment en angle fermé. Mais bon. J'y vais. Bien joué. Quelle action. Quelle action. Dedans. 3-0. Ça part de moi encore une fois. Je suis pas à la passe dédiée au but. Encore une fois. En tout cas, on marque. Djibril Sow. Bien joué, frérot. Putain, ma teinture, elle est horrible, les gars. On voit que moi. On va la revoir, cette action. Voilà, je la décale bien. Et là, la passe, une touche, elle est magnifique de Jonathan David. Et la belle finition derrière de Djibril Sow. 3-0. J'y suis dans l'axe, si tu veux. J'y suis. J'y suis. La frappe et le but. Moi aussi, je le voulais, mon but. En tant que buteur, la frappe du droit, il a failli me la sortir, Jonathan David, dans les cages. Mais en tout cas, on marque. C'est assez facile, on va pas se mentir. Mais tant mieux, ça nous donne de la confiance et également du temps de jeu. Ça, c'est sûr. Et voilà, la belle frappe du droit. Cette fois-là, je pense que j'ai pris la bonne décision. Croisée. Comme ça, j'aurais pu aussi la mettre premier poteau, c'est vrai, mais c'est pas mal. Je vais y aller. Allez, pour la. Balle du doublé, putain. Dans l'axe, j'y vais. Avec ma vitesse. Avec ma vitesse, cette fois, je le mets tout en douceur. On retient la leçon, la force, ça passait pas dans ce match. Et en général dans la vidéo, on a choisi la finesse. Et là, ça fait but, le doublé, mon premier doublé. Mais vraiment, là, je peux être à 5-6 buts déjà. C'est fou tout ce que j'ai raté. Et c'est fou comme c'est facile de se créer des occasions. Regardez, là, le défenseur. Et voilà, après je finis bien. Sur le côté, c'est pas mal. Pas mal ce qu'on fait. Oh la récupération. La récupération. Oh là 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 là, je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être un mauvais ballon. Au final, il s'est complètement troué. Et là, on s'est éclaté contre la barrière. J'espère que ça nous remettra les idées en place. Mais en tout cas, le gardien là, encore une fois aux fraises. Regardez là, il se rate, le défenseur. Et j'ai bien fait de suivre. Je la récupère.
et j'ai vu qu'il était lent, donc je l'ai dribblé un petit peu. Et là, j'avais fait un but L2, dommage que ça l'ait pas fait, mais en tout cas, il a joué la simplicité et c'est dedans. Mon premier triplé avec Villarreal, 6-0, et bien on les a écrasés, c'est le cas de le dire. On finit super bien cette vidéo, voilà, le ballon du match. Et on est du coup à 3 buts en Europa League au bout de 2 matchs, donc c'est pas mal. Comme j'ai dit, j'aurais pu en mettre au moins 6 ou 7. On finit avec 3, on va pas s'en plaindre. Mais ouais, ça aurait pu être pire pour eux. 6-0, ça fait déjà mal en vrai. Ok. Eh ben les gars, voilà, avec cette belle image, Jeff Reyes a mis 3 buts à l'adversaire APOEL. Donc parfait. On repartira en Liga dans l'épisode 27. Merci à tous d'avoir suivi celui-ci. J'espère que ça vous plaît toujours autant, malgré que je suis pas dans un meilleur club que Chelsea, on va pas se mentir. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on s'en sort mieux que Chelsea, ça c'est sûr. Après, c'était pas compliqué. Bref, merci à tous d'avoir regardé, les gars. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Vous connaissez. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et moi, je vous dis à la prochaine.